Montréal, pour moi, c'est une ville cosmopolite. C'est une ville qui est très plurielle. Hein. On trouve plusieurs façons de faire, réalités. Ça nous amène à voir justement la face cachée de Montréal. C'est difficile aujourd'hui de dire qu'on n'est pas conscient de l'itinérance. L'itinérance jeunesse, ou même l'itinérance en général. L'itinérance chez les jeunes est un problème bien présent à Montréal. En effet, on estime qu'environ 7 000 des 35 000 personnes en situation d'itinérance à Montréal ont entre 13 et 24 ans. De ce nombre, 65 % éprouvent des difficultés à l'école. Les membres de ce groupe d'âge nécessitent un soutien plus personnalisé en raison de leur courte expérience de vie et leur manque de repères. Leur situation est aussi assez méconnue du grand public. Donc, on va avoir les jeunes qui ont fugué de la maison, qui viennent sur la rue, qui vont rester un certain temps sur la rue, vont retourner donc dans leur milieu, dans la DPJ. Il y en a d'autres jeunes, c'est vraiment qui ont fui, ils peuvent venir même, souvent c'est d'autres provinces du Canada, qui finalement vont rester. C'est une clientèle qui est assez variée. On en a qui sont donc vraiment qui habitent dans la rue. Il y en a d'autres qu'on va parler plus de sans domicile fixe. Donc, ils vont vraiment se promener d'amis en amis ou de connaissance en connaissance, puis finalement, ils vont souvent échouer au bout du compte dans la rue, là. En fait, un jeune qui arrive à la rue, c'est déjà une situation qui n'est pas facile. Il y a quelque chose qui l'emmène. Par contre, un jeune qui arrive, c'est plus facile de commencer un travail, d'amorcer une réflexion, de l'emmener vers d'autres voies, des voies alternatives auxquelles il n'aurait pas pensé pour régler cette situation. Mais plus qu'on va rester, plus qu'on va vieillir et plus qu'on reste ancré. Comme quand tu fais un potier. Hein? Tu sais, quand tu travailles ton argile, tu le travailles, mais à un moment donné, quand il devient sec, c'est un petit peu plus difficile à travailler. Fait que plus qu'on le prend tôt, le jeune, pour l'emmener à cheminer, puis avoir des voies alternatives, mieux que c'est, pour éviter justement cet ancrage à la rue. Ce que moi, j'ai cru remarquer, en fait, tous ces jeunes-là avaient lâché l'école. Quand on se retrouve dans la rue, l'école devient un boulet. Le cadre scolaire tel que nous le connaissons est beaucoup trop restrictif, beaucoup trop rigide pour ces jeunes-là qui ont besoin de flexibilité. Tu sais, de commencer un cours à 8 heures le matin, c'est impensable quand, tu t'es couché qui était 4 heures du matin. C'est loin d'être le classique qu'on peut s'imaginer de l'image du jeune de la rue. C'est des gens qui vivent des difficultés comme tout le monde, puis en fait, qui ont juste moins de ressources et de filets de sécurité alentour d'eux pour les reprendre quand ça va mal. Sans éducation, il n'y a pas d'emploi adéquat qui permet de vivre adéquatement, donc de tu sais, sans être riche, mais quand même capable de payer son loyer, manger convenablement, avoir des enfants sans avoir peur de pas être capable de les nourrir, de les habiller, puis ça coûte cher, les enfants, là, tu sais. Simplement pour pouvoir avoir une vie agréable. L'éducation va aider beaucoup aussi à se forger soi-même, à apprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut, hein, puis à avoir notre apport dans la société, sinon c'est inutile. C'est là que la vie n'a pas de sens. Mais pas assez d'emphase sur l'aide scolaire aux jeunes. Puis c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir vivre sa propre vie et aller à l'école en même temps. L'éducation est un outil crucial pour ces jeunes. Elle permet non seulement aux étudiants d'obtenir un diplôme, mais aussi de développer leur curiosité, leur ambition, leur confiance et leur ouverture d'esprit. Des atouts qui leur serviront toute leur vie. Les jeunes en situation d'itinérance se tournent très souvent vers l'intervention sociale pour les aider à progresser. Le soutien que les organismes locaux, dont dans la rue, offrent, joue un rôle clé dans leur parcours scolaire et de vie. La base de notre travail, c'est de croire que tous les jeunes vont réussir. Je pense qu'on ne serait pas des bons accompagnateurs si on commence à accompagner quelqu'un en pensant tout de suite qu'il ne risque pas de réussir. C'est la base de notre travail de croire en ces personnes-là, en leurs capacités, puis de leur refléter ces capacités-là qu'on voit en eux. Donc, c'est tout ce travail-là, petit pas par petit pas, de ne pas baisser les bras, puis d'être en relation pour qu'ils puissent nous faire confiance. Je pense que c'est le travail le plus important, en fait. L'école, c'est une forme d'éducation, mais je pense que le travail qui est fait par les intervenants, c'est une éducation qui est tout aussi importante, sinon plus, là. Puis nous, on va vous faire confiance.
C'est la première chose. Qu'ils voient la confiance dans les yeux qu'on a. Après ça, ils vont commencer à se faire confiance. C'est souvent ce que les jeunes nous disent. Si tu as des intervenants, si tu as une équipe de soutien qui est là puis qui n'est pas là pour mettre de la pression pour une réussite scolaire, mais une pression pour un apprentissage, ça fait vraiment toute la différence et on en a vu des gens réussir. Clairement, avoir une équipe de soutien en plus des enseignants, c'est un must si tu veux réussir. Chaque jeune a une histoire, chaque jeune a un parcours, chaque jeune a quelque chose à nous apprendre. Il est crucial de fournir à ces jeunes des ressources alignées non seulement avec leurs besoins, mais aussi avec leur mode de vie. L'école Emmett Jones, située à même l'organisme dans la rue, offre un soutien et des cours adaptés à ses élèves particuliers et à leurs objectifs à court et à long terme. L'éducation, c'est la clé de tout. Je pense que comme être humain, quand on est éduqué, on est riche. Je pense que c'est leur plus grande richesse. L'éducation va leur permettre de réfléchir à leur vie, aussi nécessairement de se réintégrer. C'est des jeunes, très souvent, qui n'ont pas eu un rapport facile avec le milieu scolaire. Fait que venir à dans la rue et essayer autrement l'éducation, c'est déjà, pour eux, c'est un exploit en soi. C'est une belle façon de les reconnaître en tant qu'individu, en tant que jeune, sans qu'il y ait la pression, le cours magistral, un prof à l'avant. Tu sais, ils ont leur cahier, ils sont autonomes. Et à travers ça, on fait ce qu'on appelle l'intégration sociale. Fait que dans ce sens-là, pour le jeune, c'est une réussite de plus dans sa vie, de pouvoir terminer son secondaire, puis de pouvoir cheminer, soit aller vers le DEP, vers le cégep ou vers l'université. Dans la rue, c'est une famille, là. Il connaît les gens qui travaillent ici, ils connaissent les autres jeunes, ils ne sentent pas jugés ni rejetés, rien de ça. Donc pour eux, là, ça les motive à venir versus une école régulière aux adultes où ils sont en marge. Puis aussi, c'est l'identité. Je suis un étudiant. Moi aussi, j'ai envie d'être un étudiant. J'ai envie d'être quelque chose. J'ai envie d'être quelque chose d'autre qu'un jeune en détresse, un jeune de la rue, un jeune qui ne va pas bien. J'ai envie d'être un jeune qui va quelque part. Ça les motive de voir d'autres jeunes aller comme ça. Sont constamment en apprentissage, mais c'est de l'apprentissage autrement. Autre que les compétences académiques, telles le français et les mathématiques, les élèves bénéficient d'une école innovatrice qui laisse place à leur créativité. À cet effet, l'organisme dans la rue est doté d'un local d'art plastique ainsi que d'un studio de musique, permettant aux jeunes de s'exprimer via divers médiums. Ce que je trouve extraordinaire dans les organismes communautaires, c'est la possibilité qu'on offre à ces jeunes-là d'explorer des passions. Beaucoup par le milieu de l'art, parce que les arts, c'est vraiment ce qui allume beaucoup ces jeunes-là. L'art et la musique, c'est quelque chose que les jeunes apprécient beaucoup ici. Un jeune arrive ici, il a besoin de se détendre, de se déposer. C'est le classique de dire « je m'en vais dans la salle d'art, peux-tu aller dans la salle de musique? » Parce que c'est un lieu très apaisant. C'est thérapeutique. Donc, je me rends compte à quel point l'art, c'est un vecteur important dans le désir de se réintégrer dans une société. Pour les jeunes, c'est difficile de raconter leur vécu. Alors que le mettre sur papier, l'écrire, le chanter, le faire en slam, c'est beaucoup plus facile pour eux. Malgré un passé souvent difficile, les élèves de l'école Emmett Jones parviennent à développer du courage et de la confiance en eux à travers les divers volets artistiques. Cette confiance en soi contribue à leur motivation scolaire et leur permet d'atteindre les buts qu'ils s'étaient fixés. Il y a toutes sortes de gens qui font toutes sortes de métiers puis qui sont passés par un passage de rue, mais c'est pas une fin en soi. Et qu'on en a qui vont travailler en toutes sortes de métiers spécialisés. Il y en a d'autres qui vont au cégep. Et qu'il y a différents parcours, mais la plupart réussissent à faire quelque chose avant leurs 25 ans.
On a des jeunes qui ont fini leur secondaire ici, qui sont rendus au bac, puis même à la maîtrise dans différentes universités. Justement, récemment, on a eu des nouvelles d'une jeune qui avait fini son secondaire ici, qui est rendue à la maîtrise, puis qui sert beaucoup de son vécu pour faire de la sensibilisation par rapport à l'itinérance, à la consommation. Ce qui me surprend toujours, c'est de voir des jeunes terminer ici. Je me rappelle d'un témoignage d'une jeune qui disait à quel âge qu'elle avait mangé son premier hot-dog sur notre roulotte, qui était rendue à sa maîtrise, alors qu'elle avait commencé mineure à utiliser nos services et elle était rendue à la maîtrise. On essaie justement de démontrer aux jeunes qu'aujourd'hui, il y a une panoplie de choses qu'ils peuvent faire, puis leur réalité de vie ne peut pas être le frein de ce qui les arrête, mais peut être un tremplin de ce qui les attend en avant. Parce souvent, quand on passe devant eux dans la rue, on ne les regarde pas. On est gêné, ou sinon, pire encore, on va leur dire « va donc chercher une job comme les autres, arrête donc de consommer ». Tu sais, on va tout de suite être dans le jugement. Alors que d'être entendu, les moments où on va leur sourire, tout ça peut changer le cours d'une journée pour eux, là, puis c'est ce qu'on souhaite. C'est pas parce qu'une personne ne rentre pas nécessairement dans les critères que nous, on se dit qu'ils sont bien vus ou qu'ils sont bien reconnus, qu'ils sont importants, que cette personne-là peut pas être heureuse puis participer pleinement à notre société. C'est ça, je pense de pas oublier que chaque personne, dans leur différence, à travers leurs difficultés, ont énormément à apporter, puis qu'on a, nous, énormément à apprendre de eux. Les jeunes itinérants ne sont pas si différents des autres jeunes. Ils ont des histoires, des passions et des rêves comme chacun d'entre nous. Avec les bons outils, un soutien approprié et de la persévérance, ils peuvent surmonter leurs difficultés et vivre la vie qui leur convient le mieux. Personnellement, j'ai un peu de difficulté avec le mot « marginalisé ». Parce que déjà, on donne une étiquette. Déjà, on part d'un principe que parce que la personne a un mode de vie, un style de vie différent, que s'il est en marge, il ne peut pas contribuer à quelque chose. Ce que moi, je n'adhère pas. C'est un individu qui est propre à lui-même, avec son vécu, son parcours, avec ses rêves, ses défis et ses difficultés. En tant qu'adulte futur, c'est la posture qu'il faut avoir avec tous les jeunes. Les écouter, leur donner une chance, pas les juger. Parce que si tu crois en eux, c'est là qu'ils vont réussir. Dans ma cité, y'a des malades, fument du verre pour chasser leurs blues. Dans ma cité, y'a des sorcières, car à elles et à leur vaudou. Dans ma cité, vous mangez tout, essayez. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say la. Dans ma cité, pour moi j'ai tout essayé. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say. Les murs tatoués sur les rues qui délimitent habilement la destinée de ceux qui les habitent. Mes rêves sont la corde à linge.